There you fucking go! You're always late. I can't take you anymore. You have no more sick time. Oh, now sick. Are you okay? You don't do your work. You hear everything late. You owe me three reports. I can't take you anymore. You're going to be out of here soon. God damn it! Yeah. You're driving me crazy! Ce matin, on va à chasse au petit gibier. Dans le secteur du Lacron, ça se trouve à être entre Bétrinité et Godbout, sur la côte nord du Québec, bien évidemment. Il était temps que je me mette à faire au moins une vidéo de chasse, man, pour cet automne, parce que sérieux, ça faisait dur en estime mon affaire pour cette année, et comparativement à l'année passée. Vraiment désolé de ne pas avoir été actif à ce niveau-là cette année, guys. Sérieux, j'ai été occupé sur plein d'autres projets. Mais là, on s'en va là aujourd'hui. Je suis moi à troller de char matin au McDo, Chris, ça finit plus. Imagine caler du McDo un matin. Ouais, c'est ça, cette année j'ai tombé quand même pas mal occupé durant le temps de la chasse. Fait que j'ai pas pu faire autant de vidéos de chasse que j'aurais aimé en faire. Faut dire que j'ai pas été beaucoup non plus, mais quand même j'ai été capable d'y aller comme deux ou trois fois avant aujourd'hui. On va aller voir qu'est-ce qui reste dans le bois, on est quand même tard. Là on est rendu la deuxième semaine de novembre, fait que les perdus ne seront pas en couvée. On va probablement être solo. Puis y a beaucoup de chasseurs qui sont passés là où je vais passer aujourd'hui. Peut-être qu'on va changer de spot, je sais pas. En tout cas, ça serait vraiment le fun d'avoir notre quota. Ça finirait bien la chasse parce que je pense que c'est quand même. Même si c'est la première fois que je fais une vidéo, je pense que c'est quand même la dernière fois de l'année que je vais y aller. Ouais, imagine commander du McDo en matin, y a tellement de monde. Merci. Merci. Je vous le dis tout de suite, guys, ça sera pas une chasse facile aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, on n'entend pas du tout dans le bois, pas en tout. Commence à faire chaud quand même. J'ai vu dans mon char qu'il faisait 14 degrés. 14 degrés pour la deuxième semaine de novembre, c'est quand même chaud. Je vous rappelle qu'on est sur la côte nord du Québec. Fait que, ouais, vraiment, là, c'est quand même très chaud. Ça, tu peux voir. La copine est là-bas. Ça va être difficile. Elle est là-bas. Puis c'est ça, je pense que. J'espère qu'on va voir quelque chose aujourd'hui, mais ça va être une journée vraiment difficile. Juste soleil dans la face, man. Hey, copine. Whoa. Bonne fille, Tassia. Tassia. Bonne fille. Good job, girl. Whoa, whoa, whoa. C'est beau, fille. Hey, première de la journée, fille. C'est beau. Ok, hey, whoa. Yes, first of the day. Première de la journée, let's go. Bon, hey, déjà une. Hey, déjà une d'abattue, c'est bon. Pour de vrai, là, les conditions sont vraiment pas faciles aujourd'hui. Je m'attends vraiment pas à en tuer une folie. D'avoir mon quota, ça serait. Ça serait magnifique, mais pour de vrai, c'est vraiment pas mon objectif aujourd'hui. Je voulais prendre un petit 2 minutes pour mes voisins français qui m'écoutent. Ça m'est arrivé dans le passé, dans d'autres vidéos que j'ai faites de la chasse à perdrix, d'avoir des critiques françaises à propos de ma méthode d'abattage. Dans mes vidéos passées, je me suis fait traiter par mes voisins français de lâche, de mauvais chasseur parce que justement, j'abattais mon gibier pendant qu'il était statique.
soit au sol, soit branché. Mais que dans le fond, le fait que je tuais pas à la perdrix au vol, ça triggered ben des Français. Là, je m'adresse à vous autres. L'abattage en Amérique, ici, de gélinotte huppée, celle que la chasse que je fais présentement, c'est une chasse qui se fait comme ça. Ça s'est toujours fait comme ça. On n'abat pas la gélinotte huppée en plein vol. Je vous encourage vivement à aller voir d'autres vidéos de chasse. Je vais parler un peu plus fort parce que le micro, ça va être difficile, je pense. Je vous encourage vraiment à aller voir d'autres vidéos de chasse au petit gibier, à la gélinotte huppée, au tétras de savane. Vous allez voir que tous les chasseurs vont tuer leur gibier statique, soit au sol, soit jouqué dans un arbre, comme vous avez vu tout à l'heure. C'est vraiment simplement une méthode d'abattage qui est vraiment différente de la vôtre. Mais en toute honnêteté, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je suis pas le seul à chasser de cette manière-là. Je dirais la forte majorité, voire tout le monde, chasse la gélinotte huppée de cette façon-là. C'est ça qui est le fun, c'est que ça rend la chasse accessible à n'importe qui. Moi, j'ai commencé à chasser la gélinotte dès l'âge de 11-12 ans. À 11-12 ans, j'avais pas encore les réflexes, pas capable d'abattre ce gibier-là au vol. C'est pour ça qu'on l'appelle la petite chasse. C'est une chasse qui est relativement facile d'accès, puis qui coûte pas grand-chose, puis qui est facile pour tout le monde. On les voit, là, les Français, eux autres sont dans les champs, ils ont des chiens, puis les chiens font lever le gibier, puis ils prennent les shots au vol. Mais c'est vraiment pas comme ça qu'ils ont fait en Amérique. Je vous invite vraiment à aller voir d'autres vidéos de chasse à gélinotte huppée pour comprendre ce que je veux dire. Si jamais, guys, vous avez manqué les dernières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne de chasse, j'ai fait la chasse à l'orignal, j'ai fait la chasse également au petit gibier. Si jamais c'est des vidéos que vous avez manquées, je vais vous les faire apparaître en haut de l'écran maintenant. J'ai quand même une playlist de 4-5 vidéos de chasse, je crois. On a beau être à des kilomètres, là, je vous dis, je suis à des kilomètres dans le bois. On va toujours trouver la présence humaine. Les hosties de cochonnerie partout, man. Ça me fait capoter en hostie. Ça fait pas longtemps en plus que c'est là. C'est pas parce que c'est bio-organique que c'est. Faut que tu le crisses dans le bois, là. Allez, gars, on va le ramasser. Ramasser parce que moi, j'haïs ça, man. J'haïs ça. Bon là, apparemment que la chienne aurait fait jouquer de quoi. J'étais en train de parler de la boisson que je venais de trouver sur le bord du chemin. Puis là, elle aurait fait lever une perdrix, mais j'en ai aucune calice d'idée, man, où ce qu'elle pourrait être. Aucune idée. Elle était assise là, puis elle regardait par là. Fait qu'elle devrait être dans ce coin-là. On va se mettre ici, puis on va faire son trajet. Mais man, le bois est pas si fort ici, là. On devrait la voir, là. Ah, elle est là. Je vais mettre là. Nice. Let's go! Let's go, girl! Let's go! Une beau copine! Une beau fille! Hey, ça en est une belle, ça. Ça en est une belle, ça. Oui. Wow. Ouais, ça en est une très belle, ça. Ça en est une belle, ça, copine. Oui. Une belle grosse, ça. Good job, girl. Et de deux, wow, qui l'aurait cru? Sérieusement, je m'attendais vraiment pas à ça. La chienne est tout simplement en feu présentement. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de vent, on n'entend rien dans le bois. Mais hey, how about that? C'en est une belle celle-là, là. Oui.
pas été très chanceux aujourd'hui, guys. On en a juste vu deux, en fait. On en a vu une troisième, mais elle est partie au vol, puis genre, j'étais pas proche de copine, fait que j'en ai aucune idée où ce qu'elle est partie. Mais c'est pas grave, guys, j'ai quand même plusieurs clips de ma chasse 2020 au petit gibier. C'est juste que je les avais pas, j'avais pas fait de vidéo encore avec. Je vous présente ça à l'instant. Une minute. Oh, elle est belle à tirer, hein? Vas-y, mon homme, quand tu veux. GG. Vas-y avec Théo, il va parce que je sais pas quand il va réagir. Théo, hey, hey, hey! Théo! Good dog! Théo, ici! Good job! Belle shot, hein? Yes! Let's go! Un mochet. Cherche. Ouais, elle était. Ben, elle était pas sur le bord du chemin, elle était un peu plus. Puis il l'a fait rebrancher aussi. Parce que la première fois, elle devait pas être assez haute. There you go. Hey, 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 Theo, hey. Hey, hey, hey. No, Theo. No, no. Bullshit. Hey, no, no. No. Qu'est-ce que tu dis? No. Bon chien, Théo, bon chien. Hey. Théo. Théo. Hey. Bon chien. Copine en a un autre en bas. C'est pas une bonne angle. Oui, va pour copine. Copine a bougé là. Je sais plus ce qu'elle était. Hey, 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 hey. Non. Non, il aurait pas fallu que tu bouges. Hey, hey, hey. Non. Celui-là? Il bouge pas. Es-tu farouche? Oh, vas-y, vas-y! Oh, fuck! La vois-tu? Hein? Veux-tu t'envoyer la chienne ou? La vois-tu encore? She was cool, they was acting wild. Walk in, leave drunk, it was packed for aisle. Belligerent students, man, the shit got messy. Remind me of my first show in the red seat. Ain't had no DJ. Ouais, vas-y, puis si jamais tu vois ta voix plus, on va envoyer la chienne. Met this cat named Larry, he was with the Avengers. Show me how to make moves and walk with the winners. Soon went to the pen and never seen him again. But I did a couple shows with his friends. Okay. Ici, copine, go! Ici, copine! Ici, Vida! Cherche, cherche, copine! Ici! Hey! Ici, cherche! Don't get it twisted. Number one listed. Cherche, cherche! With the nice flow. You know! Get in. Take a picture, baby, it'll last longer. Cherche, cherche, cherche! Cherche! Ouais, je la vois. Ok, elle joue, elle joue. Ouais, j'ai une balle de poignée, je suis pas capable, mais doucement. Non. Ok, elle joue encore. Elle joue Chad. Doucement, doucement, ici, viens t'en. T'en vois? Prends ton temps. There you fucking go! Let's go! Donne-moi les.
Cherche, cherche, t'en veux d'autres? Cherche, cherche, il y en a peut-être d'autres. Ah, c'est elle qui les a trouvés en crise, ah ouais? En plus. Là. C'est pas nous autres qui a trouvé ça. Là. On n'a pas spoté. Attends, tu restes en ouais. Je sais pas si on va bien m'entendre avec le vent, là. J'essaie d'ajuster. Je sais pas si on va bien m'entendre avec le vent, mais ça va ressembler pas mal à ça, guys. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous le répète, mais si jamais vous avez manqué les autres vidéos de chasse que j'ai faites sur ma chaîne, je vais les faire apparaître un petit peu partout ici. Là, en tout cas, il devrait y avoir une playlist qui va apparaître. Sur ce, peace out, guys.